Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va fou Ça va très bien. Et toi ça va très très bien aujourd'hui. Pardon, on se retrouve pour un deck qui nous donnera probablement moins de fil à retordre que le deck euh, précédent qu'on a joué, avec quelques petites nouvelles cartes, notamment le Manteau Cryptique et fini les mensonges, mais dans un build qui existait déjà avant la sortie de notre ami Carlov euh, Manor. Avant toute chose, c'est le moment d'anticiper la confiance et de laisser votre meilleur pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de partager dans l'espace commentaire et de dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Nouvellement, Instagram pour pouvoir suivre l'évolution de la belle carte. Ce deck-là, Azorus Tempo, l'idée c'est d'essayer de profiter au maximum. Euh, des euh, decks un petit peu contrôle là qui commencent à pulluler sur le format, et bien on revient avec des stratégies tempo qui viennent forcément euh, les détruire. Et on a eu de très très bons ajouts, notamment avec Fini les mensonges, qui est une carte que vous avez déjà pu voir sur la chaîne, qui est vraiment exceptionnelle. C'est une maladie qui exile dans le deck, littéralement. Et puis on a aussi euh, le manteau, qui est une super carte de grind, qui est... Ce qui est puissant avec cette carte là, c'est que c'est juste une bonne carte proactive, c'est-à-dire qu'au tour 3, tu as ton 3-2 imbloquable, ça fait le taf, et ensuite en late game, dès que tu as du mana, bah, c'est une carte que tu mets sur le dessus de ton pack, comme en plus ton pack il a des créatures, tu peux avoir des effets de surprise, je pense notamment à une héride du ferry qui serait révélée euh, avec sa capacité du coup déguisement que lui aurait donné le manteau, pour, surprise. pour pouvoir attraper un adversaire qui aurait pioché des cartes, et le manteau en fait qui soit capable de générer tout ce panel de possibilités, mmh. bah, ça en fait une carte très intéressante qu'on avait envie de vous présenter euh, euh, sur la chaîne. Pour le reste, c'est du classique. On a euh, le plan de jeu un peu token avec vertu de loyauté annonce du mariage, le plan de jeu d'early game parce que stratégie tempo, on veut vite prendre le board avec la sirène et la gardienne, le petit schooner, la goélette souterraine parce que c'est très bien contre les anti-bêtes noires notamment les go force de Trot et les decks très interactifs comme Golgari et ça prend pas les Vras non plus. Donc voilà, ouais, c'est un deck qui se place plutôt bien dans le format actuellement. Euh, et puis on a juste de très bonnes réponses avec sortie explosive et l'impératrice vagabond. Voilà. Et Zach, en euh, side, on a le petit perso les petits perso sorts je me disais bien qu'il y en avait un. Les petits perce sort, la négation, un dénique supplémentaire, trois fermarés de Tishana. C'est vrai que du coup, on a dû faire un peu de place dans le deck forcément. Donc pour les manteaux cryptiques, nous c'est les fermerets qui sont un petit peu passés en side. Deux frappes d'Elspeth, une botte dédaigneuse, trois chaos et deux Laurent d'un troisième voie. Chaos qui est une carte extrêmement jouée selon les stats, notamment à cause de Mono Rouge. Bah Mono Rouge qui est un vrai, vrai bon deck, mmh. notamment vous le verrez dans les decks budget qu'on va vous présenter. Et donc forcément avoir des chaos pour respecter ce deck là, c'est assez important. De manche, standard, Azure tempo, tempo et est parti, et hein. ça, on est Toi tu l'as fait, moi ce en fait. On a tout fait pour lui clore son bec et à lui, ça et continue. on n'a pas réussi, c'est une dingue. Entre temps, vous nous avez certainement donné d'autres astuces, sachez que comme on enregistre plusieurs vidéos d'affilée, on n'a pas vraiment d'astuces. On n'a pas l'astuce on est désolé. Oh Bernard Tapis Et Bernard, tapis, tapis, ça me fait penser à quoi Tapis la belle carte ben, La belle carte. Fr, précommandez votre tapis au mois de février. Ensuite, il n'y en a plus jamais. En tout cas, pas celui-là. En tout cas, pas celui-là. Et il y aura euh, les tapis seront numérotés euh, en fonction du nombre d'exemplaires que vous avez précommandés. Ce qui du coup implique qu'il n'y aura pas mmh. de nouveau tirage. Donc si vous voulez commander ce tapis, avoir le tapis la belle carte, faire partie de euh, ce, euh, de, de, de ce, de ce truc-là, c'est avant le 29 février, Lien dans la description bien évidemment. Et puis au passage, là on est quoi On est vendredi quand ça sort. Il euh, y a un petit live euh, sur Vogue, la belle carte dimanche soir 18h. Heures. 18h. Heures. bah Donc oui. Voilà, venez, on va passer un bon moment. On a remercié le sponsor. Non, mais vas-y. Non, on y va. Eh maintenant. Bah Merci Playin, by Magic Bazaar. Code Valépeil 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité supplémentaires sur la boutique quand vous utilisez le code. Et ça fait plaisir, ça nous soutient. Merci à tous. Une seule fois par an et par contre. Et euh, le lien d'affilée Ultimate Guard dans la description. Vous cliquez, vous y êtes. Faites vos petits achats Ultimate Guard. Vous recevez chez vous. Ça nous a soutenus. Ça les a soutenus. Ça fait plaisir à tout le monde. Merci. Le temps qu'il choisit, c'est avec sa petite chauve-souris. Est-ce qu'il fallait pas chauve-souris Tourain d'ailleurs ça ouais. ben moi je voulais ça, ça parce que donner... ça qui prend des marqueurs avec goélette euh, ça devient fort. ok. je l'ai fait dans cette, euh, dans cette optique là sachant que j'avais utilisé mes deux mana. Il a les couleurs June, les couleurs de l'interaction, donc goélette ou Dénick, les deux seront très bien. j'aime hein. bien goélette là. je pense que tu peux goélette histoire de Dénique pour le me cool tour après et on est parti. Un Punto j'ai pas besoin de bloquer avec ça une bête Ace je crois. enfin, enfin le point était meilleur. peut-être peut mais Ozef en vrai. Le prêcheur. On a oh, euh, un petit otawara si on veut. Oh. Alors le, le prêcheur, comment on le passe lui Il va falloir otawarer un moment. Est-ce que tu setup pas un bon tour avec Adeline ici il mm -hmm. faut crew ou attaquer pour générer le truc Il faut crew, il faut attaquer. Pardon. Ouais, donc tu peux juste faire Adeline passe. Ouais, tranquille. Et le tour d'après, on fera mouillage. Ottawa et. C'est un rituel engagé Ouais, tu peux oh. le faire maintenant. Tu peux ouais. le faire maintenant Ouais, tout à fait. Je vais pas bloquer. Mais. Il voulait pas. pas. Ah non, il voulait pas. Donc ça, c'est des plans de jeu qui gagnent bien contre. Ça, je crois que j'aime bien. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est des, des plans de jeu utiles. Petit marqueur. Peter Marker. Peter Marker. C'est le, euh, le super héros des. Des marqueurs. Des... Ouais. Il met des plus 1 plus 1. Euh... En fait, il met des vrais beaux tokens à tous ceux qu'on n'a pas. Quel super-héros pourrait euh, utiliser des marqueurs pour marquer les gens, tu vois, leur donner des pouvoirs, leur donner des statistiques. Tu vois, son pouvoir de héros, c'est juste, il te touche, il te buff. Mmh. Mais ah, genre, il te buff. Il te buff... aléatoire. Ah merde. Dès qu'il touche un humain, mais c'est forcément donne, un buff. Il, lui, il lui donne un bonus. Okay. Mais ça peut être, genre, il peut te transformer en euh, sang-goku, quoi. Ça peut se retourner contre nous. Il peut se retrouver à devoir euh, détruire un gars qui l'aurait trop buffé, tu vois. Ah ouais, mais comment il fait, il peut pas Sa si malédiction. Il bah lui, lui, il est fou, lui, il est full power, quoi. Bah, ça va. Dieu, quoi. <laughs> Description de Dieu en 2024. <laughs> il te touche, il te buffe, et le mec est trop fort. Oui, bah c'est Dieu, en fait. J'ai déjà vu celui-là. <laughs> mais comment il s'appellerait, un... du coup euh... C'est quoi son nom de super-héros Parce que Peter Marker, c'est son nom et son prénom, quoi. Ah oui, Buffman. <laughs> Buffman, exactement. Je vais lander au Tawara pour déniquer ça en fin de tour. Il nous a fait quoi là Attends, Comment il a tout... Euh... Il un... a... Ah oui, il a fait double, hein, double anti-bet de, de par sa puissance. Il est fort quand même. Hein. Ah oui, oui. Oh, trop tard ça, non Pour d'après.. Ah non, si je cherche un land d'étape, je peux jouer ça. Donc c'est pas mal. Donc je cherche un land d'étape. Ouais. Et Nick a pris son petit marqueur. Bon ça, l'avantage c'est que ça bloque le borne mais c'est mou. Genre s'il attaque avec, euh, c'est grindy. Euh... C'est en fait ce truc là de tu buffes les gens mais ça peut se transformer en malédiction parce que des fois tu les buffes trop. Ouais. C'est un truc je pense qui m'est venu quand je lisais Ragon quand j'étais petit. Ah peut-être. Et Ragon il, avait, il avait le pouvoir de bénir les gens et en fait euh, ouais. et de leur donner du coup euh, des une bénédiction en fait. Donc du coup leur donner ouais. un bel avenir, tu vois. Ouais. Et en fait il ne maîtrise pas ce pouvoir et du coup il maudit une petite fille. Ah qu'il peut faire les deux bah. En ah, fait merde. il s'en rend pas compte c'est qu'il utilise mal ses pouvoirs en soi tu vois ah, ouais. ça se retourne contre lui okay. et, euh, et je pense que ça vient de là, là ce que, ce que j'ai imaginé. L'adversaire est bon, il a payé avec ça, sa chauve-souris, pour ouais. passer à 16-16 et faire les deux effets. Très bien, il a tout à fait raison. Et donner le, le petit type si jamais il le faisait pas. Tout à fait le, la classique, hein, les pain land avec pressure ça marche très bien. C'est loupé. C'est loupé, mais tu as le droit d'attaquer encore avec Goélette si tu le souhaites. Ouais. En engageant Denik ou pas euh, Il va te bloquer avec Moussu et la 1-1. Et je tue les deux. Et tu tues les deux, mais tu perds ta Goélette. Est-ce que c'est worse Par contre, tu peux attaquer avec Denik et Goélette. Là, ça devient peut-être un peu plus non, non, intéressant. En ça, ouais. Vas-y, attaque avec tout. Attaque avec tout, on fera Érudit sur sa 2-4 pour. Euh... Si jamais il décide de piocher une carte, Oh, c'est bien ça. Euh... Ah non. Bah si, le tour d'après, on a ça. Donc on garde un anti-bet. On va gérer Showdown d'un moment. Ouais, ok. On peut aussi gérer ça pour reprendre ça si on veut. Bah ouais, non, ça me va. Donc ça c'est bien. Je pense qu'il a envie de. Ah ouais, Denis. Non, moi j'aurais géré Go et Let, tu vois. Bon, bah fine, ça me va, c'est encore ouais. mieux. Maintenant, le choix. C'est est-ce qu'on fait Érudit en fonction de son prêcheur Est-ce qu'il va piocher une carte avec son prêcheur là euh, on va tu... pouvoir, ouais. Tu... Ça, je le lance. Non, mais lui ça. ne va pas piocher en fait. Parce qu'on a plus qu'une carte en main. Euh... Ah non, mais c'est une question de points de vie. Il faut qu'il ait plus de points de vie pour piocher. Donc là, il va pas piocher, mais il peut piocher avec ça. Moi, je ferais plutôt ça. Hein. Tu ne mettrais pas un gros flyer là Oui, je peux mettre un gros flyer je pour crois, Je crois que c'est peut-être un peu mieux, ouais. Parce qu'imagine, il joue pas dans nos plans. Ouais, ouais, t'as raison. Genre, il joue chez c'est genre, ah. Dommage. Et Rudy Ferry, genre, vraiment nul contre Old Bien joué, bien joué. Putain, elle est remonté à 16 en plus. Le boss. Ah, c'est nickel. Ah. Je sais que c'est la carte du dessus en plus. Hein. J'ai reconnu. Ouais il est très très fort. Très très fort. Euh... Ouais, je peux crew, taper, euh, vertu et ça buff ça et ça. On va commencer à avoir un... un vrai board. Ouais, tu un vrai bordel. Aussi, tu peux aussi gérer prêcheur et rudiféré tranquillou. On souffle un peu là. Uff ouais Maintenant bah que je que ça ne sert à rien Oh, ça fait apparaître une carte t'as vu ouais, Denis je, qui sort de coucou pourquoi d'ailleurs coucou et Rudy Gouellet hein, vas-y hein. hum. c'est marrant il joue June de... il hum. joue pas Ragdos Agro, il joue June d'Agro on dirait euh, le nom est prénom de quelqu'un inventé Rudy Gouellet vous vous appelez euh, Rudy Gouellet moi je m'appelle Rudy Gouellet ah, mais bon c'est ça marche hein, c'est un collègue de 6 ouais vous êtes Rudy Gouellet oui, oui c'est bien oui c'est moi oui pourquoi présent. vous pensez pas que non non mais juste euh... On dirait que vous venez de l'inventer. Ah, pas pas, pas ah, du, du tout. À le, le mal là. Non, non, mais c'est rare quoi. Mais je suis sûr, il y a un gars, qui commente, qui s'appelle Rudy Goellette. Il met juste trois petits points et son pseudo c'est Rudy Goellette. <laughs> Ça me régale. Ah, tu le laisses attaquer toi Tu veux pas je reprendre parce qu'on est encore haut oh, et peut-être tuer une chevelade Non, tu voulais tuer là Ouais, bon, je pense qu'il a une chevelade, gros, je, je me fous en l'air juste. Donc, je suis maintenant pour économiser de la peur. Ouais, ouais, vas-y, Enfin, je suis à peu près sûr maintenant qu'on va attraper le précheur. quoi. Peu... À moins qu'il ait et dans tous les cas, on est, on est chocolat, quoi. Parce que là, du coup, comme il pioche, on va piocher une carte. Dans tous les cas, il va piocher Oui, non, mais enfin, je vais laisser résoudre ça déjà. Ouais, voilà. Mais euh, dans ce cas-là, tu, tu précharges je pense, ouais. Oh Parce que ça change la donne. C'est pas mal de jouer ça. Hein. C'est pas mal de jouer ça. Ouais, avoir un peu de bronze. Pour board. faire vertu. Ok, bah vas-y, cool. bah prends, prends je tout. je vais prendre... Tout, le... tout, prends tout, prends tout. Et je vais tuer le de le cas échéant. Il en joue pas. Il joue en zrag lui. Hein. Mm. Ouais, bah il y en hein. a Quelle tristesse. Quelle grâce. Il est très bon. Il est très bon. Trois chauves-souris, euh... bon, ça se carte, bien joué quoi. Encore un petit anti-bête histoire d'être parfait là Non, ça va. Top. Ok. Les landes ça va 2 minutes les landes, je crois que beau. tu fais rien, tu fais juste vert tu passes. Ah tu veux piocher Mais non, tu euh, fais putain, vertu là. Je joue les coups. Non plus. Bah si ça va le dégager. Avec vertu. Ah oui oui putain ça oui t'as raison. Euh, J'attaque ou pas Si double bloc je récupère ça. Ouais, vas-y, attaque. Ouais. Bah alors... Qu'est-ce qui t'arrive toi Attaquer avec ça par contre. Oui bien sûr. Ah non, parce que sinon il a un trade... Euh... Non ça on veut pas. Enfin on veut mieux l'envoi. Je bluffe pas, hein, je vais me mettre mon engagé. Ouais. Moi ouais, je l'ai test hein. Je dis à mon adversaire, vas-y j'ai que dalle. Hein. C'est dommage parce que notre deck tempo du coup qu'on a sorti pour essayer d'attraper les decks contrôles qu'on a affrontés dans la vidéo d'avant. Bah là on se prend midrange euh, good stuff euh, noir, euh, plein d'anti-bêtes qui du coup se, base, se bat très très bien contre tempo une espèce de mauvais fit à chaque fois sur nos adversaires qui a envie de crever hein. qui est pico-bello, quand même ouais, ouais. il pourrait même sholred là attaquer trigger de pressure il pioche une carte on perd euh, 4 PEV et on est mort ouais. de façon drôle après voilà il faut quand même qu'il ait une sortie de dingo quoi mais bon parce que qu il fait. contre azorius tempo tu peux pas faire mieux que anti batch chauve-souris tu vois genre anti batch chauve-souris ça te détruit ton deck le mmh. concept Ça fait beaucoup là. On ça est Ça fait beaucoup, mais euh, je crois qu'on survit si je bloque la maison et ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ok. Tu peux mettre un coup de golette, je crois Ouais, ouais, je vais golette, qui mange la 4-4. Ceci, ça, je suis obligé. Ouais. Malheureusement. Et on est à 1. Oh. 16 on met 1, 2, 3, 4, 5 Si on anime, on met 1 le 3, 4, 5, 6, 7 et on est mort. Ouais c'est chaque mat, on n'a pas pioché euh... On n'a rien qui nous sauve. En fait on n'a pas pris l'ascendant sur la partie quoi Non as un deck tempo donc tu joues pas de derrière quoi Ouais Bien joué. Vagabonde, peut-être, faisait vite fait quelque chose. Tu récup... tuais Chauve-souris qui récupérait Get Lost, qui tuait Chauve-souris qui mettait un Blocker Fly. Ouais, si je la top topdecker. Blocker Fly, Blocker bloc 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 Fly, Blocker bloc bloc fly, bloc 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 fly. Ouais, il fallait la topdecker. La merde. Euh, après, 3 Chauve-souris, hein, ça nous du... enlève. Du Giga Cax, quoi. Ça nous enlève des cartes de la main et on pioche beaucoup de landes. Frappe d'Elsped, c'est ok contre lui. Ça tue Chauve-souris. Ouais. Euh, je trouve que Denix, c'est plutôt une option qui est viable. En fait, ça donne un peu de résilience sur ses antibêtes donc je prends aussi. Ouais. C'est la deuxième ligne. Euh, la troisième ligne, du coup. Et pour le reste, ça dégage. Enfin, pour le reste, on fait rien. Pour ça, ça fait des vrai. trucs, hein. Tu sais que Manteau Cryptique, c'est là où il aurait été brillant. Ouais. C'est match-up là qu'on le veut aussi. Bah, bon, faire marrer, je crois pas que ça soit vraiment pertinent contre lui. Ça éclate son 2-4. C'est un Ça éclate son 2-4. Et l'attaque, on fait... Euh, bah, je contre, et il a une 2-4. C'est pas mal, hein. On n'a pas beaucoup de gestion, et c'est pré... chiant, prêcheur. Bah, qu'est-ce qu'on veut enlever déjà Parce que... Bah déjà, gardienne, je pense que c'est pas ouf. Ouais. Je peux enlever toutes les gardiennes. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment mieux parce que faire marrer c'est encore une carte qui prend juste tous ses anti-bêtes noires. Et du coup, il libère facilement son préchat. Ah ouais, dans ce sens-là, ouais. Donc je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... Ouais, ce a a des... Non, je c'est comme ça. Attends, t attends, t attends, t attends, t attends, t attends, je regarde tout quand même. Annonce ah du mariage, pareil, ça le défonce. En fait, faut qu'on fasse notre sortie token. Ouais, faut qu'on pioche les bonnes cartes, tu veux dire. Ouais. Je crois que c'est Adeline qui est nul contre lui si tu préfères des marrer Ou des negate C'est meilleur parce que ça prend pas 4 down. Or ça, oui. Ça ouais. prend au moins pas cet anti Et ça prend pas euh, le dinosaure. Il y a deux anti de moins que ça prend pas. Ouais. En fait, ça, ça marche C'était plutôt carte. si on voulait rentrer des contre-sorts spécifiques. Mais non, vas-y, c'est bien comme ça. Okay. Après, Fermaré, si jamais on a la tempo. Adlin, c'est pas trop une carte contre midrange, quoi. C'est vraiment une carte contre contrôle. Ouais, okay. On, okay. Peut, ouais. Très puissante. on peut attraper ses chauves-souris aussi. Grâce à Fermaré. Mais si la chauve-souris tourne 2, non. Donc, non, euh... ouais, non. Je pense que Fermaré, c'est pas incroyable. En fait, Adlin n'est pas incroyable. Fermaré non plus ne l'est pas. Ça, c'est une bonne main. Bien. Mais non, hein. oh, c'est pas mal. Hein. Pour un rien. C'est bien d'enlever les. Euh, les tours comme ça on garde des tapes Et passe le tour avant de révéler ton érudit. J'ai pioché un land euh, d'étape, c'est très bien. Pas trop, j'ai chez l'érudit. Bon, de toute façon. Euh... Oui, c'est pas très grave. Yes On va se résoudre. Hein. Après. Il y a des mondes où ils font pas, je trouve, sur Il va nous enlever annonce du mariage, ça va me foutre en l'air. Mais tu vas faire un manteau cryptique. Il va dans un manteau. Prêter, euh... en se mettre. D'ailleurs là, érudis, hein. il j'attaque, S'il me rend ça. Oui, oui. oui. Je suis content. Ah toujours. Ah je suis content. Ah toujours. On est un peu fou, hein, ce matin, vite fait. Ça même. va. Et ton si fou. Non, ça va. On n'est pas fou dans le sens euh... maladie mentale. Oui. Ah. Enfin, bah, franchement, la, la vidéo Golgaris, je vous l'ai pas vue un peu. Il y a un moment, il y a un point de, de craquage. Tant que t'as pas été demandé à un expert, tu peux pas savoir. C'est vrai. Bon. C'est quoi que t'as cloqué Oh euh, un peu de Ça la merde. sert à rien. <laughs> oh, c'est nul. Ça sert à rien. Bah après, c'est pas le deck qui cloque statistiquement le plus de cartes. Non, il y a beaucoup de cartes non créatures. Non, voilà. donc... tu peux cloquer un manteau. Ouais. Et ce... Le sera manteau rare. manteau, Le manteau cloqué. Mmh. Il aurait pu enlever notre 3-2 en payant tout son mana. Ouais. Tu la course. Bon, je suis à deux doigts de... de... Oh, oh c'est pas mal. J'allais te dire, je suis à deux doigts de faire un érudit en bloc sur sa chauve-souris pour récupérer notre annonce, mais, mais là c'est trop... Oh, c'est bien là. Gorgeous. Gorgeous. Ouais. Dans les, dans les espaces. Et la Duce. La Duce. Qu'est-ce qu'il peut nous faire pour 4 mana à sholred ça va encore. Enfin, en tout cas, si elle arrive maintenant, c'est encore fine. Ouais. Il gagne 3 points de vie par tour, on met 3. C'est nickel. Ah Alors ça, tu vois, je l'ai pas vu venir. Ouais. Pareil. Mais moi, je voulais faire un truc comme ça avec Anzrag. Tu vois ce que je veux dire Ouais, j'y crois pas trop, mais... Euh... Ah, mais tu vois ce que je veux dire. Tout... Moi, je veux juste que tu vois ce que je veux je dire. Je vois ce que tu veux dire, mais je crois que c'est pas bien. Il nous défonce à la chauve-souris là, comment on fait J'attaque, et hein. si tu veux que je fasse Parce que je me suis bien fait compris. Là je peux faire double erudit pour lui mettre 5 points. Non non. Tu veux Non non. Non c'est annonce qui est mieux. Ouais je pense que va faire un... Annonce pioche c'est pas ouf hein. Bah si parce qu'il faut que tu trouves des gestions là, faut que tu trouves des solutions à cette chauve-souris qui va devenir énorme et sèche. Ouais c'est vrai. Bah double bloc, euh... ah non ça devient 5-5 merde. Cette chauve-souris c'est Thibaut Inchep déguisé en Batman là. Dommage donc euh... Quel dommage, <laughs> quel dommage. Du coup, non, mais il va peut-être pas faire la chose. J'adore ce qu'il fait. Moi, je veux faire ça. Hein. Non, bah, en vrai, c'est pas bien. Genre, il y a rien, rien, ça n'a rien à foutre là. Est-ce oh, que j'ai dit tuer est... est fou Est-ce que j'ai dit c'est bien Ah oui, non, ok. Non, j'ai veux... dit, oui. j'adore. D'accord, ok. Je veux faire ça, d'accord. Moi, je veux une grosse chauve souris Ok. Avec la bête de merde que personne veut jouer. D'accord. Et je fais, Pan bon. Bah Mais on l'a déjà assez joué à l'ANA et à c'est pas comme si on l'ait pas joué et ça a été méta à un moment. J'en veux plus, Ah ok. <laughs> J'en veux toujours plus. 3 points. 3 points. Hein. Donc je garde en bloc peut-être un moment, hein. enfin, on va regarder en bloc. Hein. Mais non, t'as 1-1 pour bloquer avec ton annonce du mariage. Piète. Bah tu prends 2 du coup. 5. 7 quoi. C'est vrai. <laughs> vrai maintenant que tu le dis. Ça fait beaucoup hein, quand on additionne. Ouais. Et oh C'est marrant, notre deck est nul. Le sien. le sien, pourtant notre deck est bien, je ah ouais. mais là euh... bah il est bien contre euh... euh, s'il vous plaît. Il euh, est coups. bien contre tout sauf contre midrange anti-bête noire. Encore une fois, c'est des questions de positionnement. Faut savoir que dans le format, il euh, y a aussi 5 C rampes en fait, et les decks contrôle et les decks mono red. Je crois que tu es érudit à 3-2. No joke, j'avais l'air de rigoler de façon non, ouais, voilà. juste comme ça. ouais, ouais Je, je prends 7. Bon, oh, de toute façon, gros. Sont sont de quoi toute façon, on peut en et te tue en deux tours je avec Chauve-souris. ouais. Voilà. Non, t'es pas mort. Tu peux chumper à l'érudit. Ah, c'est qu'il y a pied de pas celle-là. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux chumper à l'érudit, tu peux piocher une carte. Euh, Vas-y, euh, bourre-le. J'attaque avec deux. Si jamais il fait le d'étapé, t'es mort, quoi. T'es joueur, t'es pas joueur. Comme tu veux. Bah, je vais pas piocher une carte. Du coup, tu vas pas piocher. Mais moi, je voulais piocher une réponse pour Chauve-souris. Ah non mais tant pis là. Ok. Tant pis. Ah là tant pis là. Tant pis, tant pis. Euh, je vais jouer ça. Bah enfin, non c'est tapis d'ailleurs. Ouais, ça me va. Comme ça je pourrais euh, lui donner ça au lieu d'un token c'est mieux. Mmh. Non c'est pas bien. Bah si puisqu'elle sera euh, 4-5. C'est très bien. Ah oui avec euh, ça ouais. Moi je la voyais 3-4. Bah vous voyez déjà hein 3-4. Avant les blocs. Ah bah. Je lui laisse le faire, s'il l'a. Fais-toi plaisir, tapis. Allez, on passe en game 2. Non, non, on a perdu. On passe à la deuxième rencontre. Tant pis. Match. Et non pas tapis. Ah, mon rang Ouf. Oh, c'est pas grave. C'est pas si haut. Non, non, non. Mais bon, si t'étais à ça du diamant, ça chiant. On était plate 1, quoi. On était plate 3, du coup, bien. Non, 4, là. On est 4, là. Attends, non. on a tant perdu que ça Ah non, on a perdu 3 games. Ah non, je n'étais pas platin, hein. j'ai dis la merde. Tu dois être plat, 3, mmh. presque 2 peut-être. Non, non. Je suis platiste par contre. Ah oui. Moi je crois en tout ce qui est plat. Mmh. D'ailleurs, la sphère n'existe pas. Le... La forme sphère, c'est faux. Les platistes, en fait, ils sont domistes. Parce que dans les théories de la Terre plate, c'est un dôme qui recouvre la planète. Et en fait, ils sont demi-sphéristes. Tu, tu vois quand on te... Tu vois quand Ils sont demi -sphéristes. Mais, mais du coup, tu peux te... leur dire, tu es à moitié dans le vrai. Quand on te sert une cloche, ah ouais. tu vois, euh, d'un bon repas, d'un resto étoilé. Chouing bah c'est la Terre. Ok. Moi bah, je vois. Joue en preuve. Pas mal. Bah, C'est cool. C'est pas mal. Bah, ouais, ouais. T'es. deux à la <coughs> euh, Pour euh, dissimuler ton contre ou faire une vertu au besoin. C'est délicieux. Dissimuler mon contre. On dirait le nom d'une carte de l'extension. Oh, j'adore. Oh, ça, tu vois, j'adore. Je gouelle Ah, tu peux goueller parce qu'on n'est pas sur son tour 3, on est sur son tour 2. Je vais gouelle. Il est beau. On se prend chauve-souris. Bah, es il est la beau. Il est fort. Je te dis. Encore une fois, on ne pas les bons. Euh... Bon, les bons match-up en fait, non, je joue que des decks qui ne gagnent que contre certains decks, mais c'est l'histoire du standard. Le, hein, le, a, le meta. méta, quoi, Alors, on tu on peux utilise... quand même gagner dans tes match-up qui sont moins, moins favorables. On utilise pas de ouf notre mana là. Tu veux mettre un coup directement de goélette là Moi, je crois que finir les mensonges, c'est quand même pas mal. Euh, en je crois que je veux plutôt ouais, attraper son tour 3, c'est ça, et euh... et faire double truc autour d'après. Ou ça, ça fait oh, ça pue ouais. ça, ça sent pas ouais, le. Ouais, ouais. J'allais dire, euh, frère, faut pas jeter ça, faut le jouer, mais. Ça sent le pas de terrain. Et ça sent le pas de combatif aussi. Il joue Ragdos aggro, tu veux des nicks. Et ça, ça tue des bêtes, hein. Ouais, mais ça tue pas les bonnes. Tu... Bon, ça dépend, c'est plus cher pour tuer les bonnes. Ah, Franchement, la seule bête rouge que ça tue, c'est ce euh, qu'il a joué, là. Ouais. ouais, mais ça tue c'est 2-4. 3. Bah, ah ça oui, ça bah, pour, pour 3, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut pas, nous, déjà Les gardiennes Quoi ne pas ça on a, Attends, 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 va voir, on a gagné ou on a perdu Comment je vois Dans mon profil, le, le rang. Okay. On a gagné. Attends, le mec, il joue Ragnos Agro, il tague Tempo et il se barre c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a eu un bug. Il n'y a même pas eu victoire et tout. Je crois qu'il y a vraiment une, une déco. Moi je pense qu'il y a eu euh, Alain à table. Et tu peux, en fait tu peux pas pendant le side partir. Tu es obligé de faire valider puis concéder. Si c'est pour enlever les mecs qui abusaient du winrate. Donc si ça lâchait pendant le side c'est qu'il y a eu un problème. Tu peux pas partir pendant le side Moi des fois je suis en train de sider et il y a marqué euh, victoire. Donc si tu peux partir pendant le side. Ah bon, ouais. On va essayer de partir pendant le side. Alors. Ouais, Ouais, bah, ne part pas. Mais en fait, il y a des mecs qui euh, tu, tu essayes, qui euh, du win rate en faisant euh, juste euh, une défaite et en concédant, ça leur comptait que comme une. Mais t'as vu ça, je crois. Ah, ils ont juste enlevé ça. Ouais. Okay. En tout cas, moi, je l'ai plus jamais revu ça. C'était vraiment nul. Euh, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Bien, c'est bien. Oui. Oh GG. Oui. Enfin, si ça y est en encore, en tout cas, moi, j'ai plus jamais gagné qu'un seul truc. Euh... Donc, je pense qu'ils l'ont enlevé en même temps, c'était un peu naze. S'ils l'ont conservé, c'est vraiment nul. Oh le labyrinthe! Oh, lui il joue euh, un truc excentrique. Mmh. Bah, très mmh. bien, tu t'es contre-sort up sur son tour 3. Okay. Euh, que, demander de, que demander de plus? Que demander de mieux? Que demander de mieux en être plus? Alors, ça fait quoi? Il va jouer un spell gratuit ou me les 4 ou rien. Bah écoute, on s'en fout, laisse-le laisse le faire ça. S'il joue un peu cher, tu feras erudit alors comment ça marche là Est-ce qu'il résout le spell de suite ou il le met en pile Ah il ça fait met en pile. Ça fait pas piocher malheureusement. Je peux exiler comme ça il a pas sa bête ni son truc. Est-ce qu'on préfère euh, ça ou commencer à mettre un peu de pression Je crois qu'on a un deck tempo, je voudrais d'abord commencer à mettre un... plutôt que fermer Parce les que égoutins que, maintenant. Ça un 3 fly elle est chiante après hein. Ouais. Mais... Mais... Et si j'ai envie de la contrer ou de la tuer, autant le faire maintenant. Ok mais du coup tu repasses encore deux tours en fait auras pas de... Auras pas de pression quoi. Si tu, tu feras gardien oh le oui, si, si tu penses euh... Je pense que là moi je laisse résoudre ça. Ok. Je laisse résoudre et je vais... Oh je sais ce qu'il joue Ah bah oui C'est le deck qui a fait top 3 au RT euh, japonais. Ouais. Euh, bah du coup fin de tour euh, érudit. Hein. Oh bah tiens Pas me faire chier, là. Euh, bah non mais bah, attends, s'il résout ça, euh, il te tue là non bah il a 4, quatre... non 1, 2, 3, 4 permanents. Ouais, il lui faut quoi Je réanimer que ça et ça pour l'instant. C'est quoi les conditions euh, Un CCM équivalent au nombre de permanents dans son cimetière. D'accord, et fais voir ce que ça fait son deuxième effet de trigger de. Non, de sa. Ça ouais. C'est les 4. Bah donc du coup il aura 8. Euh, tu prends le risque. Bah 8, il a vraiment que des permanents quoi. Et sachant qu'il a d'autres permanents que le portail direction Moi je prends pas le risque, perso je fais gardien de pas Non, mais bon, on peut juste faire ça. Je préfère la jouer de safe que plutôt de me voilà, prendre l'O lol et tu vois. Parce que là, par exemple, il faisait surveil land on avait perdu. Il y avait les 4 landes, 4 permanents. Ouais. Mais je crois que ça prend pas les landes. Oh, ouais, sur champ. Ah de non, tête. ça renvoie pas les landes, mais ça compte les landes. Ouais. Ok. Tu vois là, il fait surveil land et il réanime son, il réanime son, son machin là, son portail. Ouais. Donc. Euh... Oui, parce que ça, c'est des problèmes. Ça, ça allait. Attention. Ouais, c'est la À 8, et ben non. Et là, c'est le moment par contre où Adeline Pan! Là, Adeline Pan, là. Ouais, oh, ouais, là, Adeline Pan. Bagarre! Et s'il en a un deuxième, bah GG, GG, GG. à lui, quoi. Pas rien y faire, hein. Tu conserveras quand même ah, ta Adeline, douloureux. cela dit. Et tu feras sortie explosive sur son truc. Ouais. Donc ça va. Euh, non. Ça va... Ah, c'est pas artefact. Artefact. Amusant. Tiens. Ah, ouais, ça fait déjà suffisamment de cible. Ouais, ouais, non, mais enfin, je dire, tant qu'à faire quand t'es. Euh... Quand le panel est large, pourquoi tu laisses le petit artefact sur le côté là C'est le dernier au fond de la classe que personne n'a dans l'équipe de foot En fait, ça touche Penvoker. Ouais, mais je te dis, encore une fois, j'aime bien les cartes pétées. Bah, la carte blanche qui exile, c'est enchantement, euh, créature, artefact, mais pas Penvoker par exemple. Ouais, ouais. Il y a toujours un petit, un petit défaut là, tu vois. Mm. Est-ce qu'on est team, on sortit explosif son truc, et moi je suis team ça, et euh, juste on fait euh, vertu fin de tour et on bourre. Ouais. Sachant qu'à mon avis, il a pas beaucoup de créatures pour profiter des, euh, des effets token. Ouais, ouais. Bah, quand il en aura, ce sera problématique. Oui, voilà, ce sera pas un plus un plus un prêt. Mmh. Ou alors, il a un autre plaisantin. Ok. okay. Ah, il a un autre plaisantin. Ouais, oh, mais vas-y, vas-y, plaisante, plaisante, plaisante. Il y a des gros trucs. Hein. Il est trop marrant, son deck, en vrai. Mmh. qu'on le présente. Vous voulez le voir sur la chaîne, ce deck-là Je l'ai joué un peu. Euh... Hors stream et c'était euh, un peu étrange. Par contre, quand tu joues contre No More Lies et tout, c'est vraiment relou. à bah, contre Tempo, normalement, mmh. t'es pas censé être Ouf. très très bien. Ouais. ouais, je vais lui mettre ça là. Ouais, ouais. Du coup, je lui mets ça et je peux pas attaquer. Tu peux attaquer avec. Oh, tu peux rentrer des dégâts, mais du coup, tu perds du board. Tu peux juste attaquer avec une de deux au cas où il pertes peur de vagabonde. Ouais, c'est tout. Je peux tenter timidement. Exactement. Mais fallait être moins timide, je pense. T'es genre, t'es en face de lui, tu fais Ouais, oh, bah ok, bah j'attaque. Ah, bah oui, ouais. J'attaque, regarde, j'ai 4 mana. Bien joué. Tu fais comme ça. Je mets mes 4 mana, je fais ok, j'ai bien 2 mana blancs pour jouer des sorts éphémères, style les des Volker. Euh, Vas-y, je t'ai quand même en phase d'attaque. Tu peux aussi. Ah merde, euh... chose. Ouais, j'allais te dire, tu peux aussi faire Guardian, mais j'ai pensé après. Ah, bon, C'est pas euh, dramatique en soi. Oula. Bloc, non pas bon, je et il se passe quoi si tu bloques avec ton érudit je lui mets un permanent au cimetière ah, c'est cool il ça. Avait fait ça ok moi je veux pas ça dans la version vas-y ah, un... ouais d'accord oh, c'est bien dans sa version ah, je instaurant. pense que tu fais un annonce passe là euh, j'ai oui, oui, eu parce... ouais. mal cliqué et on a un petit finir les mensonges qui nous met Gucci ouais il pourrait être marrant à présenter son paquet mais ça joue pas ouais. de nouvelles cartes par contre aucune euh, non aucune, aucune, j'ai vu la liste. Ah, oh, mais je suis sur un nouveau deck, c'est déjà bien. Mm -hmm. Allez. Allez, l'Orem. Allez, l'Orem. Allez. Bon, oh, un petit coup d'eau. J'ai déjà allé l'Orem. Et c'est non. Oh, belle. Je suis désolé. Mais... Petit coup d'eau, on dirait un peu un nom de, de grade de ninja. Oh, il a spell pierce. Putain. Non, j'étais au fond, fond gros. <laughs> au fond. Ça fait pas ce genre de truc. Euh... Tu veux mouillage ou jouer vertu en rituel Mouillage je pense parce que tu bats mieux anti bête de masse. Ouais. Et ça me permettra de jouer vertu quand même. Ouais. Ah le... l'aventure. On aurait la carte donc ça changeait pas grand-chose mais... Ouais c'est par réflexion. Ouais bien sûr. Pas oublier de le faire ça. D'ailleurs ouais. d'habitude... Euh, ça se mettait naturellement dans le bon ordre, ouais. et maintenant il faut que tu le changes. Je sais euh, pas pourquoi. Non, ça dépend de l'ordre d'arrivée en jeu des permanents. Ah, ok, parce que moi, très bon communément, et en même temps, c'est souvent l'annonce du mariage qui arrive avant. Mm. Mais du coup, là, ça voudrait dire qu'on a l'annonce qui est après Ouais. Oh, oui, on regarde, avec est 2 on ça avant. Annonce après, ouais, ok, d'accord. Effectivement. Oui, bah, plaisantin, hein, pas de soucis. Pas de soucis, bam. Est-ce que je peux avoir l'étal là Il bloque ça. Il prend que 5. Non, pas, pas, pas tout à je fait, mais pas, pas. loin. J'y vais quand même avec ça. Hein oui, oui. Complètement. Ça en fait, il ne peut pas le gérer avec des ah, brasses. il si. euh, faut que je tente là-dessus. Ouais, vas-y. Il ne peut pas le gérer non plus avec, euh, avec son portail. En fait, ce, ce mouillage, il nous donne l'étal quoi qu'il se passe, quoi. Chier. Non, mais tu, tu peux plus perdre là de toute façon. Je pense que ça va aller. Mais j'avais l'étal euh, si je trouvais... Euh... Ouais. J'ai Plus de chances d'avoir l'étal que pas l'établi. C'est bien. Tu fais Mirex, tu gardes Eru Ferry up et. on ouais. plus, des marqueurs plus 1 plus 1 sur Eru Différy. Ouais, ouais. Pense. Oh, je peux une carte. On garde la mécanique. Là, ouais, les bêtes si, sont énormes. Même s'il réanime ça, je pense que c'est échec et Hum. Mmh, il gagne 7, il passe à 8. En fait, s'il fait je réanime Raksa et j'ai un anti »... Ah non, mais il n'y a pas danti bet à 1. Ouais, je crois pas. Enfin, c'est cut down, mais ça tue pas nos bêtes. Normalement, c'est bon. Pardon, c'est bon Assez dur pour lui, un match-up tempo. Et encore qu'on n'a pas mis de pression de zinzin. Complètement. Alors, ça, moi j'aime bien. Ouais, ouais, moi aussi. Euh... Ça, moi j'aime bien. Tous les cons. Ah, hein. ça, ça, ça touche pas. Son Plus... son spell principal. Si. Ça coûte 3. Ah oui, mais c'est as negate que t'as mis dans le. Pas negate que t'as mis dans le deck Non. Hop là j'ai minégate. Ah d'accord. C'est bon okay. que j'ai mis. Je crois que t'as Spell Pierce j'aime. Moi Spell Pierce je suis pas sûr d'aimer. Bah. Et, euh, ça contre bien. Hein. Après il a plein de mana quoi le type. Bah pas tant que ça. Hein. Euh, F -F. En fait en fait euh, Spell Pierce c'est bien quand ton Oppo il joue l'eau ressource. Mais il joue pas énormément de land hein, le deck. Ok. Bon, honnêtement Spell Pierce je pense c'est cool. Hein. Ok ok. marée c'est bien contre euh... la grande là. La grande. Oh ouais ouais c'est bien donc tu peux rentrer bien sûr faut enlever manteau cryptique en tout cas au moins un manteau cryptique parce qu'on s'en fout on va pas le grinder oh ouais. euh, faut enlever goélette parce qu'il n'interagit pas tout ce qui est molasses en fait je là, enlever les deux on... manteaux hein. Tu peux enlever les deux manteaux ouais le juste la bagarre mon tempo temps. tempo ouais. bagarre ok ouais ça va bot je suis pas sûr si la game dure non non mais elle a un autre avantage de toute façon en fait si, si tu penses qu'on peut jouer spell pierce c'est qu'il faut pas jouer bot je pense ouais. tu vois ce que je veux dire et peut-être qu'effectivement, je vois le deck plus euh, euh, rampiche qu'il ne l'est. Ah, il rampe pas du tout. Hein. Oui, non, mais je veux dire, est-ce qu'il est capable quand même d'aligner les, les landes et de jouer ses cartes à la main Et auquel cas, je pensais que le Spell Pierce ouais. serait pas le taf. S'il fait mais ça, c'est si un deck turbo combo. T'as raison, il faut jouer Spell Pierce. S'il si fait ça, on gagne. Et Spell Pierce, surtout, ce qui est intéressant, ouais, c'est ouais. que ça contre son side. Je pense que tu as raison, c'est mieux Spell Pierce. Donc, Donc euh, du coup, il faut pas jouer euh, bot, c'est sûr. Ouais. Après, comme on a qu'une, si on voulait vraiment un contre de plus, c'était OK. Non mais comme tu l'as dit, si son but c'est d'aligner 9 mana, il est mort avant. Ouais. Complètement En fait il a surtout des un enchantement à 5 à noir qui va tuto, qui nous fait des fossés, c'est ça qui est un peu chiant que toi, peut-être envie de botter. Et lui, et lui, et ça il, peut, le il peut pierce. le jouer à la main, mais ça se spell pierce. Si je pêche pas dans la blanche, je joue pas ça. À... Non mais regarde, t'as un tour 1, un tour 2, un tour 3. T'as le temps de voir venir Ouais. Je crois que je vais d'ailleurs faire ce tour en bleu pour garder Mami Rex au cas où. Ouais, j'aime bien moi. Salut je... c'est Mamie. Je trouve que t'es bien. C'est Mami Rex. Mamy Rex. Une grand-mère dinosaure. Bah ben, ouais. Bon, oh. Ça va. Je fais toi 1 quand même, euh, non Je crois que tu fais toi quand même. La pression. Hein Toujours la pression. Bah ben, vu que j'ai pas de tour 2, pas si j'ai vertu mais. Je peux peut-être avoir mieux. Eh ben, figure-toi que moi je ferais... Euh, je craque pour faire un, une sirène de deux. Mmh. Et Mirex pour mettre un 1, 1. Je commence à, à avancer quoi. Je commence à bourrer un peu ouais. ouais. Sachant que t'as ton mana blanc pour plus tard, mais t'en ouais. as pas besoin maintenant parce qu'en vrai t'as besoin de faire marrer et putain on as pas de chatte quoi. Les lands c'est bon. Tu pouvais trouver un land blanc en plus qui nous ouais. aurait un peu plus qu'un. Merde j'aurais dû attaquer putain, il a cut down. Il a tué ça du coup. Ah non. Il joue cut down lui il il side. Ah, En side Ah en side je pense ouais, ouais, ouais. Mais il nous en a montré un je crois. Non C'est pas cette game On a joué tellement de games. Sans... Belle euh, <laughs> la meule euh, propre hein. Oh, J'ai deux le dessus du pack, euh, nickel. suis GG. On est sur quelqu'un qui aime bien les skins, moi ça me fait plaisir. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui est... Il a choisi son nouveau sleeve là, qui est sorti, ouais. d'ailleurs, euh, un peu peur. Propre sur lui, tu vois. Ok, ok, pas de, pas de soucis, pas de galère. Mouillage passe. Et tu feras érudit. Ouais. Tranquille, hein Non, je me demandais pour faire marrer juste. Non. Je bon, pense ça va, là il a rien ah, à par contre, Pour avoir joué un peu le deck, je peux vous dire qu'après side c'est beaucoup plus chiant de faire marcher le deck. Bah, si tu side beaucoup. Ouais, en fait l'idée c'est que c'est les gens qui sont censés s'adapter à toi. Si toi tu t'adaptes aux gens, tu déconstruis un petit peu la consistance de ton paquet. Mm. Je pense qu'il faut juste pas trop sider en fait. T'as un deck qui est un deck de positionnement, tu pourras pas battre les decks tempo du format. Ouais. Attends, il a joué en flash ça Bah avec son effet de, de fondation. Ah non, non c'est pendant son tour, oh, oh, j'étais ouais. perdu là. Bien sûr, bien sûr. J'ai cru que c'était fin de notre tour, il avait fait ça, j'étais en, en train de Moi ouais, mais... je pense que son vrai bon ouais, side ça. contre nous, seul side qu'il a c'est des duresses quoi. Duress, un peu de cut down et c'est tout, pas, pas plus. Et ça Ouais mais du coup il a peut-être même pas les cut down alors. Mmh. écoute deux points passe hein. Deux points passe la duresse prend pas la ferme marrer il t'enlèvera une vertu et on est fine, c'est ok. Ouais. C'est juste que là, il va pouvoir voir ta main, savoir que t'as pas de contre et jouer une résurgence s'il l'a, et dans ce cas-là, bah là tu t'es fait combo la tête, on passe à la 3. Ouais, et encore, euh, c'est nul là pour l'instant. On perd érudit, il réanime euh, ça. Oui, oui ça bon, fait chier quand même, mais. Ouais, mais c'est pas perdu. Non non c'est pas perdu. Bon, franchement on va la jouer s'il fait juste ça là. Oh, ouais je suis d'accord. Après s'il en fait 2, peut-être on en partira quand mais. Ah ça me ferait chier qu'il le fasse, mais effectivement, on n'est pas, pas mort. Tu peux même faire marrer son artefact en fait. Donc, euh, non, en fait, t'es Pas de soucis. Tu es déclenché, il arrive. Ah ouais, ouais. Euh, oui, non, mais tu fais le contrer. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est lesquels sont shut down. Ouais, Et ouais, du coup, ça, ça marche. Shut down bien, bien ce qu'il faut. Shut down on it. Non, ça, ça shut hardfax, down Artfrag, c'est sûr, parce que ça shut down Calis quand tu joues Rhino. Mm. Eh, ben, bien joué. Ah, non, non, non mais attends. Tu fais ça en revenant Eh, ben, si tu fais ça. On il a, a pas dit... l'endé je crois. Il est bon, je pense. Au pire, tu auras quand même un autre trigger de fer sur un moment où le il veut faire un truc. Ah ouais. ouais, donc vas-y. On s'en fout de perdre les Franchement, je lui donne pas ma vertu, c'est mort. Après, faut il faut qu'il ait strictement l'an des spells de Réa, ouais. hein, ce qui est pas donné. Mais en vrai, il fait jamais cette contrainte s'il a pas l'an mmh. des spells de Réa. Et du coup, alors il s'est beaucoup meulé, mais tu vois, Rituel, Rituel, euh, Rituel, Rituel, ça, ça compte pas pour son spell. Ouais, ouais. Bon, là, ça, il a... Après ça, c'est plus dur. Il, a, il, a, il fait le job quand même. Hein. Ouais, Et il doit, il a, il doit, il doit jamais jouer la deuxième euh, la deuxième contrainte s'il a pas lan de ça n'a pas de sens s'il sait qu'on fait vertu en réponse était débile enfin Et on est content elle était pas bien timée sa, sa contrainte je sais je prends moi les hein. oui, oui, matchs sont à gagner voilà moi aussi moi aussi mais bon je m'interroge tu vois j'ai envie de vertuser là Non. déjà j'ai 4 points t'as envie de vertuer, là Quoique encore une. Pas f... le spot, hein? Non mais là, on... là si il fait artefact tu perds tout ton board, c'est chiant. Et j'en perds que deux. Après je shot down avec ça, je repose ça. Et j'ai ma vertu. Je pense que c'est ok. Je crois que je ferai Guardian passe, moi là. Je fais rien en vrai. Ah attends, il va rejouer un truc là. Exiler une carte de février tu supplémentaire. Copier là où vous pouvez lancer la copie. Donc il va pouvoir... Euh... Juste faire des plaisantins. Ah non, ou vous vous rasser le vous board. Hein. Mais il doit payer. Hein il doit payer du coup s'il doit faire ça on fait quoi pour moi tu fais rien tu fais des mirex oui c'est vrai qu'on a Mirex. tu fais rien tu fais des mirex du coup si j'active ça bord, tu peux activer ça en deux. Et en même temps <laughs> je lui donnerai pas sa combo moi enfin j'avancerai pas vers sa combo ouais il a des bêtes à réanimer euh... franchement son deck si, ah, tu, il a si pas... tu respectes sa combo il fait que dalle en vrai oh regarde je peux viser un peu sur le côté oui, mais oui, comment le sais-tu? Mais oui, comment le sais-tu? j'aurais pu contrer ça. Je préfère contrer à là, dans les dispositions dans lesquelles on est. Oui, oui, pas de soucis. Oui, oui, baguette. Pas de lambe, passe. Et là, nous on fait juste un petit mirexou Mira lambe. Et là, là maintenant, notre problème étant à Traxa, t'es obligé de garder fermaré par contre. Ouais. Donc. Euh... Et je peux poser ça. Oui, complet. Moi je suis team petite gardienne, passe. Ouais. Un point. Je me pique, non Non, j'aurais jamais besoin d'animer ce... Swanland. Je crois pas. Enfin, en tout cas, pas en défense, quoi. Et là, il nous joue Bloodbred elf. C'est les le du problème. Dire, mais Et comment quel, il a quel fait Quel serait euh. le problème de boulevard Elf, le fait que ce soit une 3 Bah qu c'est une 32 katak quoi, tu, aurais, tu pourrais vouloir la, la bloquer. La 3-2 katak Ok plaisantin. Dommage que c'est pas flash ça. Franchement Plaisantin là tu, tu, le, tu le Moi tu, tu sais les cartes pétées, ah, je prends hein. encore une fois. Mec, sors le explosivement là. Ah oui tu fais peut-être miracle c'est ce genre ouais, de sortie. Ouais, je oui, a un bet bête 3 PEV, ça meurt. La gardienne, elle aurait peut-être pas mis 3 PEV. C'est un petit bête de merde ça. tu sors explosif là. tu en tireras pas mieux comme value, non C'est une réponse un peu à... à rien. Non, c'est faire marron. C'est faire marron. C'est faire marron. C'est faire marron. C'est faire marron ta carte. Et leur taco. Si fait rien, vertu, et puis voilà, on déroule quoi. Vertu, ou même Mirex, hein. On est pas obligé de vertu. Tu, tu sais. vois, quand je l'affronte, j'ai pas envie de le présenter en vidéo. Pourtant, quand je l'ai joué, euh, c'était pas d'exemple. Ah, mais t'affrontes Golgari, tu te régales, quoi. Ouais, plutôt de deux. Vas-y, ouais. Ah, Golgari, tu te régales. Ah, tu te euh, régales. Euh... Ah, je me suis régalé. Non, on est aussi là pour prendre plaisir, tu vois. Il faisait rien, et moi, je faisais juste. C'était bien. Quoi qu'il fait. Oh, monsieur, des petites négates. Encore une fois, du coup, ton plan de jeu. Euh... Oh, et t'as de 6 mana Pilsi, Pilsi madame. On tourne deux tours. Trois points. C'est trop bien avec c'est que ça prend pas du reste, il peut pas faire du reste combo. Et du reste, c'est, oups. Bah ouais. Après si là. Tantise. Tantise. Mais dans ce cas-là, il est pas dans le bon format. Il triche. Merci Norm, franchement j'ai kiffé ce que t'as proposé. Excellent. Excellent ce petit deck. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous le présente. On le fera pas, mais dites-le en commentaire. Alors, je rigole. Ça fera peut-être plus tard. On le... on fera plus tard ouais. et, il y a bien plein si... d'autres decks avec des nouvelles cartes à vous présenter avant. Mais quand on ira dans le sac sans fond du standard. C'est le haut de la pile. C'est le haut de la pile du sac sans fond. En fait, c'est quoi C'est le fond du sac. C'est le... Oui, c en fait, c'est dès qu'on va dans le fond, on, on, on sort celui-là. Ouais. En dessous, il y a le sans fond. Et, et en dessous, ça pue. Mais là, voilà, c'est. Euh... Ou pas. C pas le, mais le en kaka, fait, je le vois pas comme vraiment de la merde. Le sac s'enfonce, je le vois comme. On ne sait pas. Ouais. On tombe dans l'aléatoire du jeu. Ah, attention, tu vois je le vois pas comme de la merde, mais des fois, ça a le goût et l'odeur. Oui. Oui, mais justement, parce qu'il y en a. Oui, oui. Dedans. Mais sur le coup, quand en tu. Tu as cliqué sur Golgari, là, quand tu parlais de merde et de. vieux réflexe. Bon, il est trop bien ce deck-là, mais euh, tu cool. préfère affronter euh, contrôle, ouais. euh, bah, du coup, mirror, de... mirror mmh. de tempo, deck un peu, euh, peu combo-ish. Ouais. Et c'est plus compliqué d'affronter euh, base anti-bête noire. Ouais. Alors fini les mensonges, c'est très bien dedans. Oh, est Par contre, panto critique là, ça n'a pas été dingue. Bah, J'ai l'impression c'est une énième menace. Mais c'est c'est les, les matchups dans lesquels elle brille pas. Mais finalement contre Golgari, contre notre adversaire précédent, mm. la carte aurait été plutôt bien quoi. Ouais. On l'a eu d'ailleurs en game 2, ça n'a pas suffi mais. Ouais. Non mais intéressant de toute façon. On finit les mentions que c'est cool et, et ce déclat est très très bien. Fin de la vidéo. voulez le commentaire, partagez, abonnez-vous, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.